L'ordre du jour appelle la discussion du projet portant séparation des églises et de l'État. La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Si l'Église ne peut se passer de subsides de l'État, c'est que l'Église est déjà morte. C'est scandaleux ! Très bien. Toutes les opinions pourront s'exprimer. Les ennemis de la République auraient beau jeu dans cette partie. Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays? Voulez-vous anéantir la religion? Vous êtes plus papiste que le pape. Scandaleux! Si vous voulez ouvrir une ère d'agitation religieuse, faites-le. Enfin, moi, je ne m'y associerai pas. Veuillez faire silence, messieurs. La France n'est pas schismatique. Elle est révolutionnaire. Nous ne faisons pas une œuvre de brutalité. Nous faisons une œuvre de sincérité. Plus de ces lois abominables qui permettent de chasser nos religieux. De traître à la France. Vive la France catholique. Pour être digne de la liberté, il faut d'abord savoir respecter la liberté d'autrui. Ces propos sont littéralement scandaleux. Au lieu de désarmer l'Église, lui donner des armes. Voyez-vous cela? C'est une opinion, j'ai le droit de l'exposer. Respectez le déroulement de la séance. La guerre que vous nous déclarez, c'est la guerre que vous nous apportez. Oh, ça suffit. Une confiscation n'est pas une solution équitable. Mais quel est le but que vous nous proposez? L'humanité ira loger un jour à l'entraide des étoiles. Mais nous, libres penseurs, quelle est la séparation que nous voulons? Eh bien, cela, ça n'est pas la conception de la libre pensée, du moins telle que je l'interprète.